Je regarde ça, je lui dis, je mets tous mes espoirs en toi. Agnès. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Elle est enfin arrivée, il va falloir que je vous raconte l'histoire de la planète Nabla. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que cette vidéo est en collaboration avec ma copine, ma youpine, ma youtubine. Elodie, qui n'est pas seulement juste une copine YouTube mais qui est une copine dans la vraie vie. Et on s'était dit, si on faisait une palette 3 looks comme ça, ça va vous donner 6 looks pour vous inspirer avec la palette, comment ça s'appelle, Secret de Nabla. Alors j'aimerais juste vous dire quand même que moi je ne suis pas dans les Europes. Du coup la palette m'a coûté le même prix, donc 35 €, ce qui fait 50 $. Plus, non, il y avait 10% ou 15%, j'ai dû sauver 7 $, 7 €, plus 10 € de frais de port, plus 24 $ de dédouanement. C'était quasiment le prix d'une palette Huda. Ça a intérêt à envoyer du pâté, hein, sinon je vais la revendre. Je ne vais pas passer par 10 000 chemins, ça a intérêt à être genre le best of the best. Parce... Je sais pas, hein. Je m'attendais vraiment pas à un packaging, premièrement. Je vais être critique, hein, parce qu'au prix qu'on a payé, je m'attendais pas à un packaging en carton. Je m'attendais à un truc en plastique. Donc, déjà, c'était la surprenance. Et je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande. Mais c'est pas grave, ça c'est pas grave, le fait qu'elle soit compacte ça me dérange vraiment pas. Mais quand je voyais les images, j'avais l'impression que c'était en plastique et non pas en carton embossé. Elle a un miroir, ce qui est la préscience, elle n'est pas trop lourde, grande la préscience, c'est une nouvelle qualité, hein, une nouvelle note que je me fais. Il y a 1, 2, 3, 4... 5, 6 mats, dont un noir et plein de couleurs de transition. Le reste sont des finis assez différents. Je vous dirais que la couleur qui m'a fait craquer, c'est la couleur Play Hard, qui est un espèce de, vous allez voir, blanc, mais c'est blanc menthe, ok, couleur topper. J'imagine que tout le monde va la mettre en premier, donc je vais pas la mettre en premier. Et je vais pas la mettre avec le vert, parce que tout le monde veut le mettre avec du vert, donc... Moi je suis spéciale, ok. Mais ok, alors aujourd'hui je voulais faire un look, enfin maintenant, plutôt dans les tons rosés. Et bah écoutez, on y va. Je regarde ça, je dis, je mets tous mes espoirs en toi. Okay. Je vais primer mes yeux avec la P. Louise et je vous approche. J'aimerais vous faire remarquer que j'ai fait une coiffure, mais étant donné que j'ai les cheveux noirs sur noirs, avec des hair dazzle holographiques. Si vous êtes nouveau, je voulais juste dire que mes hair dazzle, c'est mes cheveux blancs. Ils sont holographiques, ils sont pas blancs. Mais du coup, ça se voit pas tellement quand je suis en caméra, mais j'avais besoin de tamer le freeze, ok. Ok. Les gens qui arrivent là pour la première fois, on dirait, c'est qui cette folle? Les autres, ils savent. Alors, je mets un peu de Louise. Et on va attaquer ça. Quelqu'un m'a demandé dans les commentaires pourquoi je faisais pas mes sourcils avant de faire mes yeux. Juste parce que je suis tellement brouillonne et que j'aime pas faire mes sourcils plus qu'une fois déjà. Je préfère faire mes sourcils et m'adapter en dernier. Et plutôt changer la forme du fard que la forme du sourcil. Genre s'il y a du fard qui vient dessus ou un truc comme ça, il faut que je recommence. Tu sais, que je rebrosse et tout. C'est vraiment pas mon truc, vraiment pas. Alors, maintenant que j'ai mis ça, je vais prendre la couleur Violetta, qui est le rose ici. J'effleure à peine et c'est déjà très pigmenté. C'est un joli rose. Sur le pan, il a l'air plus... J'ai dit qu'il a l'air plus... comment dire, éteint, fat, muted, que dans la vraie vie. Mais c'est ma première palette Nabla. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je sais même plus. Que t'as pas intérêt à me décevoir.
J'aimerais bien que Nabla arrive aussi tranquillement chez Sephora. Ce serait plus facile pour nous de pouvoir mettre la main là-dessus aussi. Parce que là. En fait, bah, en fait, en général, les frais de douane, c'est aléatoire, mais avec DHL, c'est jamais aléatoire. J'achète DHL, il te manque pas. Et ça a été envoyé par les DHL, donc c'est arrivé super vite. C'est l'avantage, une chance. Je vais prendre la couleur Contigo, qui est juste là. Vous voyez mon accent à coucher dehors. Waouh! Vous savez quoi? Hier, j'ai commandé. Hier, c'était la dernière journée. Hier ou avant-hier, c'était la dernière journée pour mettre la main sur la palette 39S de Morphe. Il y avait moins 20% sur le site de Morphe. Là, mais je me dis, mais je veux rien d'autre du site de Morphe. Après, j'ai vu genre le setting spray parce que je m'en sers tout le temps. Je me suis dit, oh, je vais prendre le setting spray avec. Puis après ça, j'ai vu un bronzer. Je me suis dit, oh, ben, je vais prendre un bronzer avec pour faire une commande. Du coup, je l'ai commandé. Et là, je me dis, oh, mais ma wishlist est quasiment finie, genre de make-up. Il reste juste la palette néon de. Les palettes néon de Huda Beauty. Et BH Cosmetics, et après c'est fini. Après ça, j'ai plus rien dans ma wishlist en termes de make-up. Est-ce que ça vous arrive ou pas? My god. Ma vie est finie. Je vais prendre la couleur Mea Culpa, qui est le brun. Je vais prendre la couleur Big Experience, la rose. Oh! Ok, oui, c'est de l'expérience ça. Et je vais prendre la couleur Roméo. Je vais la mettre au coin externe. Je vais reprendre la couleur Mea Culpa qui est ici. Et rejoindre ici, intensifier le coin externe. Attention, je reviens dans un instant. Donc j'ai fait mon. Je mettrai tout les éléments de mon teint dans la barre d'infos si ça vous dit de regarder. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je continue ou est-ce que je laisse ça comme ça? Déjà, je vais estomper comme il faut. Avec. Je ne me rappelle plus quel pinceau j'ai pris. J'aime bien comme ça, moi. Personne ne peut me répondre, évidemment, comme d'habitude. Alors, je regarde un peu. On sait jamais s'il y a quelque chose qui m'interpelle. Oh, je pourrais mettre I promise au coin interne. Tiens, on peut déjà commencer par ça. Mais j'ai bien hâte de savoir ce que vous en pensez. Et nous allons passer au prochain look. Je vous laisse regarder celui-ci. Et hop, je suis paillette sur paillette, vous avez vu? Ton sur ton. Le rose et le rouge. Ce ne sont pas. Non, ce ne sont pas deux couleurs qui vont ensemble. On s'en fout, regardez. Look 2, Pilouise en action. C'est quand même très. Je vous dis toujours ce que je mets comme base. Et je vous dis toujours ce que je mets. Sur mon visage, s'il vous plaît, écoutez ce que je dis ou bien regardez dans la barre d'infos, toutes les informations sont là. On passe énormément de temps à remplir les barres d'infos. C'est juste pour ça. C'est pas méchant, là. C'est juste que ça fait partie du travail. Et en général, toutes les questions que vous posiez, elles sont déjà répondues. En ce qui concerne les produits, ça n'est pas grave. S'approche. J'avais une idée, ok? Je vais prendre la couleur Ghibli parce qu'on l'a jamais pris, qui est celle-ci. Je vous la montre bien. Je vais mettre comme couleur de très pigmenté. Je vais faire un halo eye aujourd'hui. Halo. Ça me pique. J'ai mis ma robe à paillettes.
par-dessus mes leggings, c'est comme ça qu'on fait. Et j'ai eu un accident de paillettes, il y en a partout. Après, je vais prendre la couleur Contigo, qui est un peu plus rosée. Je sais pas pourquoi je veux prendre ça. Non, pas du tout. Je vais prendre la couleur Mea Culpa. Et je vais aller la mettre. On va faire la même chose. C'est Mathieu qui balaye les paillettes. Merci. Comme ça, je pourrais manger. Oui. Merci, madame. Ça ira pour cette fois. Et Marie, je te veux, c'est mieux. Oui. Je vais appliquer la couleur esthétique qui est un taupe, qui est juste là, sur toute ma paupière mobile. Les paillettes me rentrent dans la peau. Ça me fait mal. Ami ou ennemi? Je ne sais pas. J'ai envie de prendre du noir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. On va l'essayer. Au pire, je recommencerai, c'est tout. Donc, je prends la couleur qui s'appelle Na Black. Parce qu'il faut qu'on teste à quoi il ressemble le noir de... Oh là là, de Na Black. C'est piquant, c'est très piquant. Ce genre de noir, il fait un peu peur. Vous savez bien que je ne vais pas vous laisser comme ça. Il faut absolument qu'on teste ce Play Hard. Alors, je ne sais pas avec quoi on l'applique. C'est une couleur qu'on applique au pinceau ou à la main ou... Je dirais que ça ne prélève pas grand-chose. Je vais essayer au doigt. Ah. Oh. Je vais faire mon teint et après ça on va apporter les derniers ajustements à quelqu'un. Ok, je vous rapproche. Je sais pas ce qui s'est passé avec la lumière. Il y en a plus. Voilà ce qui se passe. Bon, on va laisser ça comme ça. Je vais un petit peu estomper à ce niveau. Avec ceci peut-être. C'est con. Oui, vous allez me dire, mais j'aurais pas pensé mettre un rouge à lèvres rose avec ce genre de make-up. Eh bien, vous faites ce que vous voulez. Je me suis dit que ça allait apporter une touche différente à quelque chose de... smoky. Je vais prendre le crayon Black Lace. J'ai l'œil qui coule, celui-là. Et j'ai peut-être un coup de chance, mais avec la Pelouise, ça ne bouge pas. Si jamais vous avez les yeux qui coulent... D'habitude ici j'ai toujours comme une marque de fard paupière qui s'en va, mais là ça n'est pas le cas. Je vais reprendre la black. Et je vais faire attention parce que j'ai déjà fait mon teint, donc je vais vraiment tapoter. Je vais prendre la couleur Ghibli. Direct. Je vais l'estomper en dessous. Bon, du coup, entre les deux, je vais reprendre la couleur Mea Culpa. Avec le même pinceau. C'est bien. Nous pouvons passer au troisième look. Attention, c'est parti. Oh, j'ai les cheveux. Passons au look 3 sans transition. C'est l'avantage de faire ce genre de vidéo. Attendez, je vous approche. On va le prendre au... Nous sommes trois aujourd'hui, Elodie, moi et Napoléon. Qu'est-ce que tu fais derrière la porte? Tu voulais me faire une surprise? Comme pour les deux autres looks, tout ce que j'aurai utilisé sur mon visage sera dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller regarder. Tout est là. Oh, je ne sais toujours pas appliquer la Pelouise. On s'en fout parce que je fais mon teint après. Ok. Je vais prendre... la couleur Giulietta, celle-ci. Il n'y a
appliquer comme couleur de transition. J'ai une idée de look. Je vous assure. Je vais l'estomper jusqu'au sourcil parce que ça va être ma couleur de transition. Donc, c'est ça. Je vais prendre la couleur verte qui s'appelle... C'est bleu vert. Addiction. Peut-être. La mettre dans mon crease. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner les deux ensemble. Advienne qui pourra. Jusqu'à là, ça va. Je veux juste pas avoir blendé 10 000 fois et du coup, je prends mon temps pour l'estomper. Je vais faire un semi-cut crease, comme d'habitude, avec ce fond de teint de Make Up Revolution. Et je vais prendre la couleur Creation Crown, qui est le doré, parce que je trouve que ça va bien. Oh, oh. J'ai pas mis d'eau, juste pour vous le dire. Waouh. Je ne mets pas complètement à l'intérieur, mais je vais essayer une autre couleur. Je vais prendre... Est-ce qu'il me reste des pinceaux propres? Je ne sais pas. La couleur Hyper Sensual. Est-ce que vous voyez quelque chose? Celle-ci. Je sais pas si je suis surexposée ou pas. C'est mieux de même, hein, peut-être, non? Je m'excuse si j'étais trop exposée. Voilà. C'est plus... Parce qu'en fait, entre mon... Oh, c'est pailleté, c'est trop beau! Entre ma caméra, mon ordinateur et YouTube, ils n'ont pas les mêmes critères de lumière et de couleur. Et du coup, c'est chiant à régler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bienvenue sur le nez. Bravo. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Je vais prendre la couleur Rosemary qui est ici. Bien sûr, j'allais la prendre. Oui, bonjour. Tu voulais un câlin? Donc, Rose Laurence. Je vais renommer toutes les couleurs. Rosemary. C'est beau, Rosemary. Oui, c'est beau, hein. Non, mais attends, elle est dans un tiroir. Bonjour. Je vais faire mon teint. Je reviens dans une seconde. Attention. Oui, je me suis dit autant jouer le jeu jusqu'au bout avec le rouge à lèvres super discret. Ok, je vais juste arranger un petit peu de ce côté là, c'est mon côté difficile, ok. Je me demande si ça existe genre des docteurs, tu vas aller voir, tu leur dis sur ma paupière ici, fais exactement que celle là, s'il te plaît rends moi symétrique, au moins de des plis paupières, si possible. Après, comment tu fais? Je sais pas comment ça se passe, la cicatrisation, tout. Close enough. Je vais faire mon ras de source. Ras de. Radish. Avec quelque chose de pas très énorme. Hein. On va essayer de travailler en étapes parce que j'ai pas envie que ça. Encore une fois, que ça. Comment dire, qu'il y en ait partout, hein. Si vous êtes là, levez la main. Les pinceaux. Et vous aussi. Levez un pouce, les gars. Ok, je prends la couleur Addiction. Un autre petit pinceau. Je vais prendre la couleur
Creation Crown. Et pour finir, je vais prendre quelque chose pour mon pinceau. Il y a quelqu'un? Pourtant, j'ai plein de pinceaux, hein, mais il n'y a pas ceux que je veux. Ok, on va prendre ceci. C'est un pinceau à lèvres, je pense. Hyper Sensual. Et je vais essayer de le mettre au coin interne. Et cette couleur. Je sais pas si vous verrez en caméra, mais elle est comme dorée avec du rose à l'intérieur. C'est trop beau. Voilà le look. J'espère que ça vous a plu. On va faire un petit retour sur la palette, à savoir qu'est-ce qu'on en a pensé. Au final, surtout. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Je pense qu'elle est très intéressante. La qualité est incontestablement présente. C'est une très bonne qualité, je l'adore. Il y a des couleurs assez uniques, il y a des milliers de combinaisons de looks qu'on peut faire avec. La seule couleur que j'ai pas utilisée malheureusement c'est Fantasize, mais faut choisir. Trois looks c'est trop court pour tout essayer. J'ai vraiment pas de problème. Le noir est assez intimidant, je dois vous dire que c'était pas... C'est un beau noir, c'est un très très beau noir, mais il faut travailler très très doucement. Après... vous le savez, je l'ai dit au début de la vidéo, cette palette m'a coûté beaucoup plus cher parce que frais de douane, DHL, patati, patata. Je pense que pour cette fois, je vais laisser couler. Mais que pour que je puisse acheter quelque chose de chez Nabla à l'avenir, il faudrait que ce soit quelque chose de fantastique que j'ai jamais vu de ma vie. Et un peu à l'image de cette palette en fait. Pas que j'ai jamais vu de ma vie, mais je veux dire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que j'achèterai pas un liquid matte, admettons, même si c'est de bonne qualité. Pour moi, c'est ça vaut pas la peine de payer des frais de douane pour ça. Mais pour des produits uniques, je dirais que oui, je referai Nabla sans problème du tout. Et puis, bah écoutez, je suis vraiment contente d'avoir découvert les palettes. J'avais déjà essayé quelques fards qui était très bien, et le highlighter que j'ai adoré. J'espère que ça vous a plu, j'ai très hâte de voir les vidéos d'Elodie. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vais la mettre dans la barre d'infos ainsi que dans le petit i. Et puis dites-moi quel était votre look favori des trois, j'ai bien hâte de savoir. Je vous retrouve demain. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben déjà bienvenue, vous pouvez le faire en cliquant juste ici, activant la cloche. Je vais être là tous les jours au mois de juin, et je laisse la vidéo d'hier juste là, si tu l'as pas encore vu, tu peux le faire. Et qu'est-ce que j'aime encore dire? Ah, merci encore une fois à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi, ça t'en clique sur ce petit cœur qui va tomber directement chez Patreon. Je vous dis à demain, seras-tu là? Moi, oui. Bye.